Waouh. Tu fais ce que tu as fait, t'occupe pas de moi. D'accord? Merci. Bâtisseur de l'avenir, Alassane Ouattara, protecteur du pays. Changement, il va faire. 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 Innovation, il va faire. Il va faire. Changement, il va faire. C'est pour Messi qu'il a tenu. Alassane Ouattara, protecteur du pays. Innovation, il va faire. Changement, il va faire. Il va faire. Les promesses qu'il a tenues, oh. Quand il dit, il va faire. Innovation, il va faire. Il va faire. Changement, il va faire. Ses promesses qu'il a tenues, oh. Quand il dit, il va faire. Et un coup KO. Un coup KO. Les promesses qu'il a tenues, oh. Quand il dit, il va faire. Regarde, il y a le dégoulé agitable là-haut. Bien de la société. Merci. C'est amour. Bonsoir, Latan. Eh, hey, mon grand frère, Black Samouraï. Juste un petit temps de partage et de salutations. Je vous salue. Je vous tire chapeau à tout le monde via votre position. Donnez-moi un petit temps de partage. Je regarde déjà le visage de. L'état de ma vidéo. Merci à tout le monde. Soyez. Voilà. Regarde, juste là. Il n'y a rien. Normalement, il devait en avoir. Rentre dans mon bureau, tu regardes dans le placard, s'il te plaît. Il y a des végétables, s'il te plaît, Marie. Merci, Marie. Bonsoir, le grand frère Black Samouraï. Mes respects via ta position. Ah, mon grand frère dit de pomper les cœurs, s'il vous plaît, pomper les cœurs, partagez, invitez vos amis, invitez toute la famille épris de paix, de joie, d'amour, invitez tous ceux qui sont contre la violence, dépêche-toi, faut vite donner l'eau. Non, tout cela, sont. J'ai dit mon grand frère, ce sont mes soutiens au nom de la paix. Ils aiment bien, elles aiment bien la paix. Elles aiment bien la Côte d'Ivoire. Oh, c'est une Camerounaise. Voilà. Donc, déjà, je leur dis merci pour leur soutien au travail. Je suis vraiment soutenue parce que tout le temps, ils nous disent que pourquoi les Africains sont beaucoup en Europe. C'est parce que il y a des personnes qui essaient de faire brûler nos pays, qui mettent le feu et que ça chauffe. Eux tous, du coup, ils viennent en Europe. Eux tous, ils ont les deux passeports. Ils ont les doubles nationalités. Donc, ils savent que vraiment, quand ça va chauffer, ils ont un deuxième pays. Or, nous, nous avons nos parents qui ont leurs choses, parents, nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrières, nos aïeux, là, les tombes là-bas. Même si on ne part pas, un jour quand on ira encore, on ira faire Yako sur les tombes. Mais si on détruit le pays, si le pays est en feu, comme on ira pour aller même dire Yako au défunt. Merci à tout le monde. Je bois un peu. Il fait chaud et bon. Sois bénie, Marie. Merci, ma chérie. Fanfa Kone, bonsoir via votre position. Marie, mon grand frère te dit, sois bénie. Merci, Black Samouraï, le grand frère, mes respects. Bon Juma, Moubarka, que Dieu mette la paix sur notre vie, fasse que le pays soit en paix. Que Dieu bénisse nos enfants, nos familles, notre pays, notre nation, notre président Nakama. Même que Dieu bénisse les opposants et que Dieu leur accorde une longue vie pour qu'ils puissent toujours voir les merveilles poussées de la part du président, son excellence Alassane Ouattara. L'homme a tout fait. L'homme qui a dépassé sa compétence, la compétence de comme on dit, qui a plus de pas même que le comme on dit, le léopard, le lion de la Côte d'Ivoire, le tigre de la Côte d'Ivoire, l'éléphant de la Côte d'Ivoire.
Il fait pas du bruit. Merci, papa. Il travaille. Merci, papa, son excellence. Il s'amuse pas. Merci, papa. Il donne de la valeur à ses ressortissants. Merci, papa. Et au pays et à l'extérieur. Parce que par sa compétence, aujourd'hui, nous avons de la valeur à l'Occident. Par sa compétence, aujourd'hui, les Ivoiriens ont une dignité, une fierté à l'extérieur. Donc, on remercie encore ce grand chef, ce Nankama, le bâtisseur infatigable, via sa position big up. 100 ans encore sur votre vie. Bénédiction à gogo sur la vie du Prado. Merci, mon président. Merci à tous ceux qui seront là, partagez et puis invitez vos amis. Je vous love. Excellent vendredi et bon début de week-end à tous ceux qui ne seront pas au travail. Et puis encore merci à toute l'équipe RHDP au travail. On vous remercie et puis que Dieu vous bénisse. Merci à tous ces Ivoiriens. Cette jeunesse de la Côte d'Ivoire est prise de paix. Ceux-mêmes qui se disent aujourd'hui l'heure à la... Ne mettez pas tête de mort. L'heure aujourd'hui au travail. L'heure aujourd'hui à la paix. L'heure aujourd'hui à comment je vais faire pour réaliser. Et l'heure aujourd'hui à comment je vais faire pour préparer mon avenir. L'heure aujourd'hui à comment je vais faire pour monter mon projet et aller faire qui de droit pour aller mettre mon projet en place, pour aller réaliser mes projets. L'heure n'est plus à la voyousie ou bien au vagabondage ou à la manipulation. L'heure n'est plus à ces personnes aujourd'hui qui veulent attiser à la violence. En venant, s'ils se collent aussi des listes, comme on dit, provisoires, pour faire leur fête. Ils voient toujours la zizanie partout. Dès qu'ils voient quelque chose, ils s'accrochent dessus parce qu'ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont pas de projet, programme pour la société, pour les jeunes. Donc, du coup, quand ils voient quelque chose même, qui n'est même pas encore ce qu'ils pensent là. Déjà, ils manipulent, ils font leur sauce, ils viennent, ils préparent. Parce que leur pouvoir, le PPACI, l'opposition ivoirienne aujourd'hui, ils sont dans un dilemme. Dilemme de comment détruire pour pouvoir s'enrichir encore. Mais nous, on a vu clair dedans. On a déjà vu clair dedans. On dit la liste électorale. Votre candidat n'est pas écrit et n'est pas inscrit. Prisonnier ne peut pas être inscrit quelque part en Côte d'Ivoire. Déchu de ses droits civiques et politiques. Et puis ça ne va pas chauffer. Donc là, on assiste à des discours, des conférences, des meetings, des conférences de presse à gogo. Les associations des malfaiteurs juste. Ne serait-ce que brûler, dans le but de brûler la Côte d'Ivoire, détruire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Mais nous les enfants, garants de la paix, nous les enfants, garants de cette liberté, solidarité, de cette démocratie-là, nous allons les chasser jusqu'à... Ils vont dépasser même Ghana, ils vont dépasser France, parce que c'est là aussi leur capitale, les panafricains. Venez écouter un peu. Parce que, ne serait-ce que l'éclairage de la CEI sur la liste électorale, parce que il y a maître, soi-disant maître associé des malfaiteurs, associé des boulangers, associé de la boulangerie, les maîtres pour se mettre en accord avec des tueurs ambulants. Avec des casseurs de banque pour venir encore nous dépouiller de nos biens et de nos vies pour aller encore se mettre à l'aventure. Et Maître Abiba qui vient avec des listes, on ne comprend rien. On vous dit votre candidat n'est pas sur la liste électorale parce que il a une poursuite judiciaire sur sa tête. Vous dites non, c'est pas vrai, on n'était pas au courant. Venez avec les preuves. Est-ce qu'on vous a dit d'aller encore chercher les morts de 120 ans, les vivants qui ont 150 ans, les électeurs de 3 ans, les électeurs de 2 ans? Ces gens-là, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'arguments. Ils ont que le rêve. Ils ont que des illusions.
Donc, nous n'allons même pas céder cette place-là à ces gens qui n'ont rien à nous apporter. On veut du concret. Donc, écoutez. On va aller d'abord sur ces boulangers-là. Ces boulangers associés. Deux, la présence de personnes centenaires. C'est-à-dire des personnes qui ont 100 ans et plus. Trois, les personnes décédées. Quatre, les personnes déchues de leur droit civil et politique. Cinq, les personnes à filiation inconnue ou incomplète. Six, la croissance exponentielle des électeurs inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays. Sept, les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et inversement. 8. La non-conformité de la liste électorale provisoire remise aux partis politiques. Donc, cette non-conformité en rapport avec les exigences du code électoral, notamment l'article 7 du code électoral. 9. La création de nouvelles communes sans information préalable. Et 10, la suppression de certains lieux de vote importants sans information préalable. De manière directe, sur une base scientifique, avec des chiffres et des exemples, tous les points ont été passés au peigne fin. Faut-il la présence des personnes mineures ? On relève de nombreux cas de mineurs inscrits sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3. Code électoral. Au titre des personnes centenaires, on constate la présence de 4813 personnes sur les millions de personnes que nous avons traitées, 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. On ne va pas regarder leur exemple. On ne va pas écouter leur exemple. Donc maintenant, moi, je vais passer à mon chef, le doyen des dossiers, celui-même qui était au sein des universités au temps de toutes ces crises-là. Chef Doumia Major, c'est comme ça on l'appelle. Là. Si je me trompe du nom, excusez-moi. Excusez-moi. Nous avons demandé aux populations de venir s'inscrire sur la liste électorale. Cette phase a été faite dans la paix. Les commissaires sont allés vers vous. Nos chefs de village ont reçu nos commissaires locaux, nos agents. Et les populations qui souhaitaient changer leurs données personnelles ou de lieu de vote ont fait la demande. Les populations qui avaient l'âge de voter, que nous appelons les primo-requérants, ont demandé d'être inscrits sur la liste électorale. C'est un droit citoyen. Ces requêtes, ces demandes ont été prises en compte par la CEI. Il s'agit pour la CEI, après donc un premier traitement, d'afficher le résultat des requêtes, des demandes des citoyens sur une liste que nous appelons la liste électorale provisoire. Nous avons commencé à afficher cette liste. Depuis hier, le 30, les affichages se poursuivent. Aujourd'hui, 31, l'affichage sera normalement terminé sur toute l'étendue du territoire. Et à partir du 1er juin, commence la phase qu'on appelle la phase du contentieux. Nous discutions il y a peu de cela avec le gouverneur. J'ai dit que ce n'est pas la phase du contentieux, mais j'appelle cela la phase du contrôle citoyen de la liste électorale. Parce qu'il s'agit pour nous de mobiliser tous les électeurs, près de 8 millions de personnes, pour venir contrôler la liste électorale. Pour venir vérifier la liste électorale. Pour venir faire l'audit
de la liste électorale, si on peut appeler cela ainsi. Si le citoyen estime que ses données personnelles n'ont pas été inscrites de façon correcte, il s'agit de faire les rectifications. Si le citoyen estime qu'il a été retiré de la liste électorale alors qu'il en a fait la demande, il s'agit de demander son inscription. Si le citoyen estime que figure sur cette liste électorale des personnes qui n'ont pas le droit d'y être, c'est le moment de demander le retrait de ces personnes. Quand une personne est décédée, elle ne doit pas figurer sur la liste électorale. Si vous constatez qu'il y a des cas de décès, il y en aura toujours des cas de décès. Et donc, si un décédé figure sur la liste électorale, c'est le moment de retirer cette personne de la liste électorale. Si des mineurs que vous connaissez figurent sur la liste électorale, c'est le moment de demander le retrait de ces personnes mineures de la liste électorale. Si des personnes déchues de leurs droits civiques et politiques figurent sur la liste électorale, c'est le moment de venir nous dire « Cette personne-là a été condamnée, déchue de ses droits civiques et politiques, il faut la retirer de la liste électorale. » Si des personnes sont des non-nationaux et que vous retrouvez des non-nationaux sur la liste électorale et que vous avez la preuve que ces personnes-là ne sont pas des citoyens ivoiriens, il faut venir demander le retrait de ces personnes de la liste électorale. Donc, du 1er juin jusqu'au 10 juin, vous avez 10 jours pour porter vos réclamations. Au niveau de la commission électorale locale, la commission électorale locale, c'est la commission où se trouvent les représentants des partis politiques. Et là, je parle aux politiques qui sont en face de moi, que vous-même vous avez désigné. C'est devant cette commission locale que vous portez vos réclamations. Soit en inscription, soit en radiation. Cette commission va examiner, n'est-ce pas, les réclamations, même afficher publiquement vos réclamations et les observations sur vos réclamations. Prendra en compte donc vos réclamations et à partir donc de ces requêtes nouvelles que vous ferez, on va publier la liste électorale définitive. Mais avant d'arriver à la liste électorale définitive, nous vous faisons savoir, et c'est un de vos droits, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la commission électorale locale, vous avez le droit de saisir le tribunal d'instance de votre circonscription. Système de déclaration en grève et c'est gratuit. Et le tribunal a 5 jours pour se prononcer. Quand le tribunal se prononce, la décision du tribunal ne souffre d'aucun recours. La CEI l'accepte et vous aussi vous l'acceptez. Voici donc comment se fera, comment se déroulera le contentieux. Donc, c'est pour vous dire, à notre niveau, que c'est un processus que nous voulons transparent. C'est un processus que nous voulons crédible. Les assistants nous donneront tout à l'heure le chronogramme détaillé de la révision de la liste électorale. Mais bien avant, je voudrais vous dire, c'est vrai que toute œuvre humaine reste perfectible. Toute œuvre humaine reste perfectible. Nous, au niveau de la CEI, nous avons fait un pré-traitement. Mais il s'agit de faire un autre traitement en prenant en compte vos observations. Les corrections que vous voudrez bien apporter à la liste électorale. Cette liste électorale a été mise à la disposition des partis politiques il y a une ou deux semaines de cela, depuis le 20. Donc les partis politiques, les grands partis politiques, ont eu le temps de
publication qui a commencé le 30. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de mobiliser vos expertises. Parce que le débat qui se pose, souvent, c'est le débat d'audit de la liste électorale. Mm-hmm. Mais j'ai répondu à cette question en disant qu'un audit, c'est de prendre 5, 6 ou 10 experts pour venir scruter une liste électorale. Primo, on pourrait se dire, mais si on prend des experts à Côte d'Ivoire, ces experts-là auront toujours des inclinaisons politiques, leur opinion. Alors donc, allons chercher peut-être des experts en Mauritanie, au Canada ou au Bangladesh. Comme ça, ils n'ont aucun intérêt dans les affaires ivoiriennes. Mais les experts qu'on ira chercher ailleurs, est-ce qu'ils connaissent les morts dans nos villages? En tout cas. Est-ce que ces experts-là savent qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien dans nos villages, dans nos villes? Non. Ils viendront regarder une liste, chercher s'il y a des doublons, s'il y a des gens qui ont une date de naissance qui ne correspond pas à la date qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale, ça s'arrêtera là. Mais nous disons, mais nous allons plus loin qu'un simple audit de quelques experts. Nous demandons à 7-8 millions d'électeurs de venir regarder la liste électorale qui sera affichée dans tous les lieux de vote. Dans tous les villages où il y a lieu de vote. Donc, chaque Ivoirien sait qui est qui. On sait qui est qui dans notre village quand même. On sait qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien dans notre village. Et donc, c'est à vous de remonter ces informations au niveau de la commission locale. On sait qui est mineur, qui n'est pas mineur dans notre village, qui est sur la liste électorale, c'est affiché publiquement. Donc, il s'agit pour vous de remonter ces informations au niveau de la commission électorale. Et vous savez qui est vivant et qui est décédé dans le village. Ils le savent bien, très bien. Donc, c'est un contrôle citoyen et public à 7 millions, 8 millions d'électeurs sur une dizaine de jours. Et si on ajoute la date de réception de la liste électorale par les partis politiques, on va dire une vingtaine, voire une trentaine de jours que les listes électorales circulent depuis. Et donc, c'est un processus que nous voulons transparent. Nous travaillons en toute transparence parce que nous savons qu'une liste électorale crédible garantit une élection paisible. On nous dit qu'il y a certaines personnes, et je vais répondre à cela par anticipation, qui ont été retirées de la liste électorale et que la CEI a fait un travail partisan. Mais comment la CEI pourrait faire un travail partisan? Nous avons juré, levant le bras sur la constitution de Côte d'Ivoire et devant le peuple de Côte d'Ivoire, pour dire que nous allons travailler de manière indépendante et impartiale et faire respecter le code électoral que voici. Donc nous travaillons avec notre référent, notre évangile, notre Bible, qui est le code électoral. Et c'est ce code électoral que nous mettons en application, que nous mettons en œuvre. Et donc, si quelqu'un est victime de notre action, mais ce n'est pas une action volontaire d'un commissaire de la CEI, c'est l'application pure et simple du code électoral. Nous sommes comme, et je le dis, des ordinateurs, pour ceux qui font l'informatique. Mais l'ordinateur, il y a un programme. Le programme, il est écrit. Les instructions sont données dans le programme. Et quand vous mettez l'ordinateur en marche, ce sont les instructions du programme qui s'appliquent. Alors, le programme pour la question électorale, c'est un programme qui est écrit dans le code électoral. Mais c'est pas nous qui... Bonjour, on s'est rappelé avec l'ordonnance pour votre mari pour la
continue d'ailleurs, puisque c'est un processus de dialogue politique. Le dialogue politique a fait des propositions, et ces propositions-là se sont retrouvées dans le code électoral. Je me souviens, peut-être que je parlais un peu jeune encore, mais j'étais quand même membre de la commission consultative constitutionnelle sous Guy Robert au plateau. Quand on écrivait la constitution de 2000. Et à ce moment-là, on a travaillé sur le code électoral. Oui, c'est bien. La constitution de 2000 a été votée. Ce matin, tu étais beaucoup demandé. Il y avait la cadre de l'EHPAD qui te cherchait. Ah bon? Je ne sais pas. Et je devais être en formation aujourd'hui. C'est ce qu'elle m'a dit, parce que je n'étais pas au courant non plus. Amine, donc... Hier ou aujourd'hui, je ne savais pas. Oui, ben non, mais pas aller. Je ne savais pas non plus, sinon je vous l'aurais dit. Il y a chose, la cadre de l'autre côté qui nous dit que tu étais informée. Ben oui, c'est, elle m'en a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Je dis, ben, moi, si je l'avais su, bien sûr que j'aurais dit à Amine d'aller en formation. Mm-hmm. Mais je ne savais pas. Non, je n'ai pas voulu aller ça... parce qu'on ne prend pas les gens d'assaut comme ça. Elle vous a agressé? Non. Ah. Elle dit ça à toi, elle voulait s'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Ah bah elle est mieux s'expliquer, mais il n'y a rien à expliquer. Ce n'est pas moi qui gère les formations. Au bout d'un moment, voilà, si on ne me dit pas que vous êtes en formation... Je n'ai pas reçu de mail, ni de texto, rien, même un courrier. Donc, quand même. Comment voulez-vous que je le sache, moi aussi? Bah écoutez, il y a eu un bug quelque part, ce n'est pas très grave. Hein. Hier, ce sont les filles qui m'ont appelé, donc moi, je ne les ai pas répondu parce qu'on était censés sortir. Oui, bah oui, en plus, bah oui. Ben oui, on était... Je ne pouvais pas laisser prévu, l'équipe comme ça. Ben oui, de toute façon, c'était prévu. Ah non, mais oui, non, là, c'était absolument pas le bon moment. Ouais, je suis d'accord. Bon, on fera le point avec Stéphanie la semaine prochaine. Je pense qu'il y a eu un bug quelque part. D'accord. Donc, vous n'êtes pas la seule, parce que je crois qu'il y en a deux autres à qui c'est arrivé. D'accord. Mais, pas de souci. Évidemment, si je l'avais su, je vous l'aurais rappelé. Je vous aurais dit comment on fait, quoi. Oui. Au moins, même Rémi pouvait venir prendre le relais. Et puis moi, je partais. Bien sûr. Parce qu'avec tout ce qui se passe, je ne peux pas laisser... Non, pas Émilie toute seule. Non, mais on aurait trouvé une autre solution. Moi, je serais venue. Enfin, je sais pas, on aurait trouvé Mais elle a pas mal pris parce que la formatrice appelait pour dire qu'il y a eu plusieurs absents. Oui. Donc, du coup, elle se retrouvait tous seule dans une salle avec quelques personnes. Bon, c'est pas vrai, il y avait du monde quand même. Non, mais c'est parce qu'elle a fait l'appel. Oui, non, mais après qu'elle fasse l'appel, c'est normal. Si vous étiez prévu sur sa liste, elle s'est... Voilà, c'est normal qu'elle s'interroge pourquoi vous n'êtes pas là. Mais sauf que si vous n'étiez pas prévenu, vous ne pouviez pas deviner. Voilà. Donc bon, écoutez, pas de souci, j'ai réglé ça avec elle, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça marche. Pas de souci. Monsieur Sauvé, elle vous a informé sa femme qui partait en vacances là? C'était... Le 16 juin? Normalement, c'était déjà dit, mais ce n'était pas confirmé d'abord. C'est confirmé, j'ai mis le courrier là et je l'ai noté sur NetSoin. D'accord. Donc, il s'en va à partir du 16 juin jusqu'au septembre, elle nous recontactera en septembre. D'accord, oui. De toute façon, chaque été, c'est comme ça. Oui. Donc, voilà, donc j'ai validé, j'ai mis sur l'ordi, donc c'est bon. Okay. D'accord, pas de souci. À notre retour, elle dit que ce n'est pas encore fixé, donc elle nous recontacte. De toute façon, c'est comme ça, ils font chaque année. Ouais, ouais, on arrête. Parce qu'ils ont une maison de retraite. Oui, là-bas, enfin, dans une région. Ouais, ok, ça marche. Ça fait du bien, ça les change. Ok, Madame Harper, je l'ai rappelé. Oui. Je ferai le point pour la kiné lundi avec Alexandrina direct. On se voit toutes les trois pour faire le point. D'accord, sinon, il arrive à faire des mouvements, donc pourquoi ne pas. Parce que là, elle était un peu désespérée aujourd'hui. Je sais, mais c'est bien pour ça que je veux qu'on se voit avec la kiné, parce que j'ai passé le message de la kiné. Elle sait que les jambes... En fait, j'ai vu Alexandrina et je lui ai expliqué. Et donc, Alexandrina m'a dit, mais je ne peux pas le mettre debout, c'est trop dangereux avec son histoire de cou. Il faut d'abord traiter ses cervicales pour pouvoir après faire le reste. D'accord. Et elle me dit, moi, à l'EHPAD, je ne peux pas traiter les cervicales parce que ça se fait au lit. Ah oui. Ben ouais, mais ici, comme vous voulez qu'on fasse, on n'a pas de lit. C'est ce que je lui ai fait comprendre, mais elle dit non, ce sont les gens. Oui, mais je lui ai déjà expliqué. Mais vu qu'elle n'a pas compris ou qu'elle n'a pas voulu comprendre, j'ai proposé à Madame Harper qu'on se voit toutes les trois ensemble. D'accord, pour mieux lui expliquer. Ben oui. Mm-hmm. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas traiter les cervicales. Donc, il faut le faire allonger. Pas de souci. Voilà. Ça s'est mieux passé aujourd'hui. Sera... Oui, tranquille. Ouais, ça a été. Tranquille. Calme, ils étaient bien. Monsieur Prieur, ça a l'air de bien se passer. Mmh. Il s'est fait un copain avec Monsieur Vanier. Hein. C'est trop drôle. Je les vois à chaque fois à discuter. Ce que je disais, on ne sait pas de quoi ils discutent parce qu'ils ne se comprennent pas, hein, mais au moins ils discutent. Hein. C'est bien, c'est oui, bien. Oui, c'est agréable. C'est Madame Jean tout le temps dans ce... Ouais.
Du coup, j'ai pas eu le temps de la voir parce que j'ai fait plein de visites à domicile, c'est pour ça que j'étais pas là. Je la vois lundi sans faute. Est-ce que. Ah ben, je verrai avec Alexandrina si elle lui a reproposé. Mm-hmm. Parce que j'en ai parlé à son fils et il m'a dit qu'il lui avait parlé, qu'elle était d'accord. Elle connaissait Madame Jouan. Un jour elle dit oui, un jour elle dit non, mais de toute façon elle oublie ce qu'on voit. Oui, là, le truc récent, c'est pas la peine. Non, elle n'y arrive pas, mais c'est vrai que. C'est dur. Et ça devient compliqué pour elle-même. Ouais, ouais, bien sûr. C'est loin d'être simple. Ouais. Mm-hmm. Bon, à part elle, elle, les autres, ça avait l'air d'aller. Mm-hmm. Oui, les autres, RAS, ça va. Bon, c'est bien. Allez, mm-hmm. Week-end mérité. Merci. À lundi. Pareillement, bon repos. À lundi, on espère. Inch'Allah. Oui, exactement. Allez, j'ai rendu ça. Bon week-end à vous ouais, aussi. Ouais, vous aussi, amis. Mm-hmm. Bon, famille. Excusez-moi, j'étais avec ma cadre de service. On faisait un petit point, elle était un peu absente. Donc, excusez-moi du contretemps. Donc, je suis là, je suis encore de retour. Vous avez tous écouté Doumia Major, le doyen du dossier, comme on dit, de la liste électorale. Donc, moi, ce qui me plaît dans cette histoire, tout est clair et net. Il faut pas chercher des failles là où il y en a pas. On vous dit, c'est une liste électorale provisoire. C'est pas encore défini. Une liste électorale provisoire. Pourquoi faire ça définitive? Pourquoi faire ça une histoire d'état d'urgence? Partout faire de la récupération et faire chercher à faire un soulèvement. Les gens n'ont qu'à s'embrouiller dans leur tête, ne serait-ce que préparer les esprits à un soulèvement, les esprits des électeurs à un, comme on dit, qu'on est en train de faire des combines, on veut falsifier des résultats, on veut, comme on dit, faire un peu de triche pendant des élections. Préparer ne serait-ce que la conscience de leurs militants. Les gars radicaux, là, c'est ce que moi je vais dire. Parce que c'est des gens qui sont limités dans le temps et dans l'espace. Des gens qui ont été, je sais pas, leur esprit a été confixé au Bénin. Parce que leurs cheveux sont enterrés là-bas. Donc, du coup, ils ne raisonnent plus. Essayez de manipuler encore des gens même qui sont déjà égarés. Mais c'est triste. Ils ont perdu leur sens. Habiba, où elle est? Elle n'a pas écouté aussi qu'il y a chose majeure qui est aussi plus instruit même que elle, qui connaît aussi les droits et les lois de cette république. Cette Habiba avait les deux passeports. Quand ça va brûler, elle a son passeport français. Elle va rentrer à l'ambassade de France. Elle va aller au Biéman, comme on dit là, vers l'aéroport là, le camp des Français là, policiers français. Comme on dit, les soldats français, là, ils viendront les faire sortir, les ressortissants français. Nous tous, nous assistons à ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Après les crises de leur poste de vote. Ils sont allés chercher les ressortissants. Chacun est allé chercher ses ressortissants. Et vous, vous êtes assis dans votre Côte d'Ivoire. Vous avez déjà mis votre vie en parenthèse. Pour soi-disant cette opposition qui était avant partie au pouvoir. Pourquoi on peut pas faire résonner nos neurones là? Vous ne voulez pas briller aussi comme leurs enfants? Habiba avec, je sais pas, l'association de PPACI et PDCI là, ceux-là, ils ont quoi à nous proposer? C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens ne veulent pas dire, viens t'arrêter, il faut fouiller. Tous les morts, les gens viendront voter 3 fois, 5 fois. Moi, j'étais dans un bureau de vote en 2020. Je peux pas comprendre que quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale peut aller voter.
Moi, je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce que ceux-là veulent nous faire comprendre. Je n'arrive pas à cerner quoi. Moi, j'étais dans un bureau de vote. J'ai fait voter des gens. Tu viens avec ta pièce d'identité, tu as ta carte et choses électorales. Si tu ne peux pas, tu n'as pas les cartes, tu viens avec ta pièce d'identité. Soit on te retrouve avec la tablette, soit tiens, sur la liste même, on voit ton nom. On prenait comme ça. Moi, je suis une témoin aussi. On prenait la pièce d'identité, puis nous, on a notre liste. On regarde ton nom. Avant de te laisser cocher, et ceux qui n'arrivaient pas à signer, ils mettaient leur empreinte et puis ils allaient faire leur choix dans les urnes là-bas. Pourquoi essayer toujours de manipuler les esprits faibles? Il vous a dit, la CEI vous dit, allez-y chercher. Ceux qui ont les 120 ans, 150 ans, les 3 ans, venez avec la liste. Vous avez 10 jours où vous venez faire les réclamations. Vous avez 10 jours. Lui-même, il dit, il va vous donner encore 10 jours pour rajouter. C'est pas plus clair, ça? Pourquoi faire de ça état d'urgence? Les morts vont voter des... En 2000, comme on dit là, en 2010 là-bas, on nous dit les morts ont voté au nord. Les papis, même quand on les a ramassés, ils sont allés les faire voter pour prendre des 3 personnes, 2 personnes ont voté à la même. Tout ça préparait les gens à, ça veut dire, stopper leur esprit sur tricage. Bloquer leur esprit sur choses. On va gagner les candidats RHDP forcés, même si personne n'est pas à voter. On dit, mon groupe a commencé, j'arrive. Tout cela dans la manipulation. Donc, on est Katina, état-major, comme on dit, Doumia, état-major. Et allez fouiller. C'est quelque chose qui ne va pas. Vous avez encore du temps pour venir faire les réclamations. Est-ce que ça, c'est plus simple que tout? Il dit, si en Côte d'Ivoire, on veut appliquer vraiment la justice et la loi, là, il y a des gens là, avec 20 ans de prison ferme là, ils sont en liberté aujourd'hui. Ils sont en paix aujourd'hui. Ils circulent en paix aujourd'hui. Sans être inquiétés. Parce que nous avons dit, nous respectons nos engagements. Nous respectons nos paroles. Au nom de la paix, au nom de cette réconciliation, il y a des gens qui se promènent aujourd'hui dans cette Côte d'Ivoire-là, en liberté, au nom de la paix, au nom de cette réconciliation. Or, il y a des gens qui ont volé que des cabrils, poussins, ils ont même volé peut-être lotus, et puis ils sont en train de payer leur peine d'emprisonnement. 1 an, il y a d'autres même 10 ans. Parce que eux, chez eux, là, il n'y a pas eu d'arrangement ni d'accord. Vous voyez comme l'être humain ne réfléchit pas. Vous voyez comme l'opposition n'est pas reconnaissante. Au lieu de venir dire, merci, au nom des armées de quoi, là? On dit merci déjà à ton bienfaiteur. Celui qui t'avait laissé là-bas. Et celui qui t'a... Tu as négocié avec lui pour pouvoir rentrer en paix, pour venir participer à la caravane de la réconciliation. Toi, connais Katina, Stéphane Kipré, les Abibas là, qu'ils étaient tous les mêmes personnes qui ont contribué à cette guerre en 2010-2011.
en Côte d'Ivoire, au nom de la paix, au nom de cette cohésion sociale, au nom de cette réconciliation, vous êtes rentrés haut les mains, sans problème, sans chose, règlement de compte. Et c'est vous qui cherchez des problèmes, des histoires, coûte que coûte, pour mettre en pratique votre règlement de compte. Révolution. Tout le temps, eux, ils sont dans la fête de... On n'a qu'à se rebeller. On ne voit même pas fumer, on ne voit pas feu. Nous avons eu des listes, pas tout dernièrement. Tu fais rentrer tout ton nom, ton numéro. Si vraiment tu es inscrit sur la liste, ça sort. Tu verras que tu es inscrit sur la liste. Tout le monde a vérifié pour lui. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, vous avez eu le temps d'aller faire des réclamations, d'aller vous inscrire. Tout est détaillé. On vous éduque à la transparence. On vous incite à aller vers qui de droit pour aller voir si vraiment je suis apte à voter pour les prochaines élections. Et vous suivez des gens qui ont signé des accords étant à l'Occident avec le pouvoir en place, ne serait-ce que être en paix, être en liberté en Côte d'Ivoire, sinon que il y a la comme on dit la justice qui les attendait là-bas pour 20 ans collés à la maca. Et là, ils arrivent devant leurs militants, leurs sympathisants, ils font comme c'est eux les dieux donnés. Non, allez-y. Moi, je fais comme je suis pas dedans. Oh, toi-même, là, ce que tu as signé à l'extérieur avant de rentrer, là, tu rentres net, là, tu arrêtes de suivre tout ça. Tu prends autre posture parce que tu penses que, vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi. Habib Allah, elle peut faire quoi en Côte d'Ivoire? Elle peut parler seulement. Nous, notre CEI, là, un comité, chose électorale de Côte d'Ivoire, truc, là, elle peut changer quoi dedans? C'est pas elle qui a créé, donc c'est pas elle qui va changer. Dans cette CEI-là, tous les éléments des choses, des partis sont dans cette CEI-là. S'il y a des trucages, c'est que eux-mêmes, là, ils sont des mèches avec ces truqueurs-là. S'il y a des combines, c'est que eux-mêmes, là, c'est parce qu'ils veulent remplir leur ventre qu'ils sont des mèches. Sinon, on dit tous les partis ont leurs représentants dans cette CEI-là. Comment vous allez venir vous asseoir pour commencer à endormir encore des vauriens qui veulent, leur esprit est arrêté en 2010-2011 là-bas. Là. Vous venez leur dire encore, non, il y a des trucages, pendant que vous-même, vous avez des représentants à la CEI. C'est que vous ne foutez rien alors. Tellement vous êtes dans votre marmaille, ne serait-ce qu'à avoir pour manger et aller induire les autres à l'erreur, vos enfants seront les premiers à fuir du pays et les enfants des autres seront là à être tués. Comme quand vous les avez laissés comme boucliers devant les armes, que c'est Gbagbo qui est à la présidence. Et quand je pense qu'il y a des gens encore qui arrivent à suivre ces personnes-là, que Dieu ait pitié de vos vies. Je peux pas comprendre. Toi, tes parents te prennent 9 mois de grossesse. Pour un jour venir, eux les faire sortir de la misère. Tu as l'université. Tu es limité à politique. Toi, tu peux pas devenir, tu peux pas aller poursuivre tes études pour devenir comme ces gens de la politique là. Toi, tu veux aller mettre ces gens là au pouvoir. De grain ou de force, on te tue et puis basta. Ton bac, tu as eu avec souffrance. Ton BPC, tu as eu avec souffrance. Tous tes diplômes, tu as eu avec souffrance. Là. C'est sur goudron chaud, on va aller te ramasser. Parce que je vais faire un règlement de compte. Parce que je vais aller découdre avec celui qui veut pas du pouvoir de Gbagbo à la Gbagbo. Parce que celui qui veut pas qu'on mette le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Depuis quand vous avez vu braqueur va pas à la justice? S'il ne veut pas rendre le compte, il reste là. Il n'est pas au-dessus de la loi de la Côte d'Ivoire. Voici Gbagbo, il est couché là-bas. Là. Ça, si c'était Alassane Ouattara, wallah, c'était la une des journaux. Mais nous, là, nous sommes amour comme notre président. Paix, chose, épris de paix comme notre président. Éduqué. Nous avons des vraies valeurs.
le sens de la fraternité et de la cohésion sociale. Hein? On fait tout, on glisse à côté de vous, ne serait-ce que la paix ne reste en Côte d'Ivoire. Mais tout le temps, vous cherchez. Vous titillez, vous titillez, vous titillez. Après, vous les laissez livrer à leur sort et vous envolez, vous partez. Vous serez les premiers à être protégés de cette guerre que vous voulez commencer en Côte d'Ivoire. Hein? Même si vous n'aimez pas ce monsieur, il a ses empreintes partout en Côte d'Ivoire. Vous allez changer quoi? Si tu n'aimes pas ce monsieur, c'est que tu ne vas pas dans ton village. Les gars là, si vous n'aimez pas Alassane Ouattara là, ne rentrez plus dans votre village. Régnez votre village. Parce que même la route qui vous conduit jusqu'à dans votre village là, c'est la marque Ado. Sinon avant lui là, il n'y avait pas de marque chez vous comme Goudron. Hein. Les Goudron voyaient autant de Gbagbo. Mais grâce à ce monsieur là, aujourd'hui là, l'eau potable là, dans les fins fonds de chez les gars là, vous buvez fin l'eau. Il y a ces marques. Donc ne buvez pas de l'eau. Maternité, vous allez accoucher aujourd'hui là. C'est la marque de crédit que Ado a pris là. C'est ça il a pris pour investir là-bas. École de vos enfants là. Crédit qu'il a pris là chez les blancs là. C'est ce qu'il a mis dans vos villages là. Donc n'allez plus dans vos villages. Même vos villages a été vendu à Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, votre ville là, c'est vendu à Alassane Ouattara. Parce que vous le consommez. Vous le voyez tous les jours. Sans le savoir. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Vos voyous de Canada, là, eux-mêmes, ils consomment Alassane Ouattara. Ils mangent Alassane Ouattara. Ils se soignent Alassane Ouattara. Ils s'habillent Alassane Ouattara. Ils parlent même Alassane Ouattara. Sécurité, là, c'est Alassane Ouattara. Pourquoi ils ne jettent pas tout ça, là, et puis sortir de la Côte d'Ivoire? Les points, ils utilisent, là. Les voiries qu'ils prennent, là. C'est pas Marc Alassane Ouattara. C'est crédit qu'il allait prendre. Pourquoi il renie pas tout ça? Quand tu n'aimes pas l'homme, tu viens pas sur ce qu'il a fait. Vous combattez quelque chose qui ne peut pas être combattu. Vous cherchez quoi? Vous êtes fognons, vous vous prenez comme des gens. C'est vous le Dieu d'abord. Le guépard, il court. Il met ses empreintes partout. Vous ne reniez pas tout ça. On ne veut pas le Burkinabé. On ne veut pas le Burkinabé. Vous consommez Burkinabé. Vous dormez Burkinabé. Ils s'occupent de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit projet là, ce n'est pas Burkinabé, ils vont regarder. 2023, projet pour la jeunesse là. Ce n'est pas les enfants Burkinabé, ils vont regarder. C'est vos enfants là même là. Puis Chéri Balé n'est pas allé donner sa liste. Ce sont les enfants d'Ado qui étaient écrits dessus. Elle luttait comme ça, on va voir clair dedans là. Les sociétés civiles pour remplir leur ventre là. Les Damana Picasso là, aujourd'hui là, ils ont travaillé comme ils ont quelle fiche de paie. Aujourd'hui là, ils sont nourris, blanchis, on ne les voit pas aller travailler. Mais ils gagnent, ils perçoivent de l'argent. Malgré ils ont dépouillé les choses dans la BCAO. Vous ne leur demandez pas de compte? Comment on peut être idiot jusqu'à à détester un monsieur comme ça? Moi, je suis fière de porter une tenue comme ça et puis sortir. Parce que je sais que ça en vaut la peine. Quand tu le vois, tu tapes sur Google, tu vois toutes ces traces qu'il a mis comme empreinte, toutes ces traces qu'il a versées sur la Côte d'Ivoire. Vous suivez des gens qui étaient au pouvoir et ils en voulaient même aux frères de la Côte d'Ivoire. On vous a donné ce pouvoir. On dit maintenant, venez nous donner les bilans. Il n'y a pas bilan. Et vous voulez encore pouvoir. Pourquoi faire? Dans ce 21e siècle-là, on va prendre un président qui va nous reculer? Qui va venir s'arrêter tous les jours? Non, c'est Burkinabé. Qui va venir s'arrêter tous les jours? Non, on va faire le 6, va devenir 9. Est-ce que ce sont ces slogans-là qui font avancer un pays? On vient vous dire, nous, on veut venir au pouvoir. Bon, monsieur, connaît Katina. Comme on dit, Stéphane Kipré, Pierre Kipré, avec Damana, leur groupe, leur gouaï des malfaiteurs, là. Vous qui mettez Gbagbo devant, oh, on sait que Gbagbo même, là, où il est aujourd'hui, là. Ah, que Dieu ait pitié de lui.
On prie pour lui, pour qu'il soit en bonne santé, pour venir encore voir les merveilles et voir que lui-même, il sera témoin de l'histoire, qu'il n'aura pas son nom sur la liste et puis ça ne va pas chauffer. Ça va chauffer pour aller où? Le Gangaba qui est au pouvoir là, il n'était pas encore assis dans palais présidentiel. Vous n'avez pas pu le remuer. Il était que chose à l'hôtel de golf. Avec son petit téléphone noir, il vous a délocalisé. Maintenant qu'il a assis, ses empreintes sont jusqu'à dans vos villages. Ses empreintes sont jusqu'à dans le lit conjugal de vos femmes. Là où vous moussez avec vos femmes. Parce que c'est dans la paix qu'on peut faire tout ça là. Sinon, à un moment de la vie en Côte d'Ivoire là, est-ce que même on pensait à femme, on pensait à garçon, enfant ou maman ou chacun se cherchait. Hein? Maintenant, il est assis à la présidence. Ses empreintes sont partout. Vous allez venir dire quoi? Depuis quand moustique peut effrayer lion? Depuis quand moustique peut effrayer éléphant? Vous êtes là. Bla, 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 bru, 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 bru. La quiétude des Ivoiriens, ils sont là. Hé, famille RHDP, tu as des nouvelles? Il n'y a rien, ça ne chauffe pas. C'est l'homme qui est au pouvoir. Le monsieur là, il a tout sa tête sur son épaule. Sa tête là, son épaule la tient, sa porte, ça bien. Dagoué se cache derrière les gens pour vous faire jeter à l'abattoir. Les Kone Katina là, ils veulent vous compter encore des morts. C'est vous, les enfants des pauvres. Kone Katina peut faire quoi pour vous? Dites-moi. Un gars qui fait conférence, il transpire jusqu'à, on dirait qu'on le poursuit. Même regardez, comme on dit, les gonzesses là, parce que eux là, ils se tapent entre eux là-bas. Tu vois, Touré Abiba qui est chaud dans PPACI là, c'est qu'elle guette un poisson là-bas. Parce qu'elle n'a pas eu ici, donc elle va guetter là-bas. On dit quoi, les maîtres sentinelles, anti-fraude. Donc elle a fini tout maintenant là, c'est dans nous, anti-fraude, elle va aller faire là-bas. Elle a fini pour ici. Les gens avaient deux passeports. Allez-vous pousser à faire brûler vos pays, vous allez aller prendre la Méditerranée, et puis elle, c'est vol. Elle va prendre vol. Urgence. Ils vont aller les chercher, ils vont rentrer. Elle a fait pour une première fois. Ils sont allés chercher tous les ressortissants. Elle est sortie sans un sou. Et vous êtes restés là dans faire des boucliers humains. On vous a tiré dedans. Ce sont ses parents même qui sont allés vous tiré là-bas. Et maintenant encore, vous venez donner vos vies en garant pour sauver leur vie. Il faut être bête. Quand on dit le mouton d'ado, moi je préfère être mouton que d'être un chiffon de quelqu'un. Au moins, mouton là. On dit mouton ne réfléchit pas. Mais regardez comment les moutons d'ado réfléchissent. Hein? Nous, on dit on ne veut pas mourir pour mettre des voyous au pouvoir. Nous, on compare. On compare. On regarde. Avant Alassane Ouattara 2011, là. Derrière lui, là. Qui a fait quoi? On les pèse. Il faut peser. Vous êtes là. Vous donnez vos vies. Pour sauver pour d'autres. Quand ça chauffe, ils sont même pas là pour vous soutenir, ni moralement, psychologiquement, ni financièrement. Et puis ils fuient. Mais ils sont les premiers à vous jeter à l'abattoir. Les premiers à vous jeter dans la gueule du loup. Eux-mêmes là, ils sont en train de parler là. Ils ont négocié avant de rentrer. L'amnistie là. Si tu vois aujourd'hui, eux, ils arrivent à parler à cette négociation. Si on, tous ceux-là, c'était 20 à 20 ans de prison. Ils viennent, on dégèle leur compte. Ils ont repris leur poste. Tout ça, c'est pas dans le pouvoir d'Alassane Ouattara. Moi, si j'aime pas une personne, je vois que c'est un dictateur. Une personne qui en veut à ma vie, là. Voilà, je deviens pas être cadre dans son gouvernement. Je deviens pas être, chose, je veux pas travailler, pendant qu'il est au pouvoir, sur son règne. Ces gens se jouent avec vos consciences et vous les suivez comme des moutons. Moi, je parle pas des gars. Eux, leur esprit là, voyager avec le temps. Moi, je parle pas des gars. Ceux qui veulent se rajouter sur eux là, c'est de vous que je parle. Votre vie vaut mieux que ces gens-là. Doumia dit, allez-y avec vos preuves là. On va enlever les 120 ans là. Parce que Abiba a dit, en Côte d'Ivoire, là, la plus vieille du monde, là, c'est en Côte d'Ivoire.
femme qui parle, on dirait, elle ne respire pas là. Toi, ton droit, tu as appris là. Nous aussi, là, on a nos trucs là-bas qu'on connaît. Et c'est ça, on va appliquer. Et c'est pas toi, tu vas venir mettre le nom d'Allah, Gbagbo, sur la liste. Quelqu'un même qui se bat à l'hôpital là-bas. Hein? Il a fêté son anniversaire, qui l'a vu? Vous ne pouvez pas savoir que Dieu est même en train de vous parler pour vous dire calmez-vous. Dieu est en train de vous parler. Arrêtez vos choses en folie, vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que voir la Côte d'Ivoire brûler. Hein? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut brûler sans les Ivoiriens? Les Ivoiriens qui sont dedans là, vous ne pensez pas à leur vie? Des gens qui ont tout perdu, bien matériel, bien choses, vie humaine. Vous ne pensez pas à tout ça là. On dit venez avec les moyens. Faisons tout pour que le monde entier ait confiance à cette paix, cette cohésion là, pour plus nous donner comme on dit, du finance pour soulager nos mal. Non, ils ne trouvent jamais de solution. Ils sont là en train de transpirer dans les presse, revues de presse. André, c'est ça qui va venir prendre Gbagbo à l'hôpital pour venir le déposer à la présidence. Hein? On dit qu'il n'est pas sur la liste. Donc, il n'y a pas de garçon parmi vous là pour venir être candidat aussi. Vous pouvez, vous êtes, j'oublie le mot, mais ça va me revenir. Vous êtes apte pour être candidat. Et vous ne voulez pas poser votre candidature. Il faut le papy là, qui est en train de lutter entre la santé et la vie là. C'est lui forcément. Vous voulez le positionner là et vous faites votre marmaille derrière. Quand ça va chauffer, ils vont le prendre, ils vont le mettre là-bas. Avec son oxygène à la maca. Hein? Actuellement, là, il a besoin de paix. Actuellement, il a besoin de prière. Actuellement, il a besoin de qu'on le laisse vivre sa vieillesse tranquille avec sa petite femme. Vous êtes chaud comme ça, on dirait Gbagbo même en train de vous dire quoi. Il vous dit là, lui il est derrière, il dit quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Il vous envoie non? Sachez vous envoyer parce que lui là, ils vont dire grâce présidentielle. Ils vont dire non, comme il est vieux. Mais vous là, vous n'aurez pas de grâce hein. Parce que eux, ils sont graciés. Regardez, ils se promènent. Il y a d'autres qui sont amitiés. Mais il y a d'autres là. Poulets seulement, ils sont à la maca. État-major vous a dit ça. Doumouya major vous a dit ça. On vous dit, tout est bien arrangé, venez. Dieu merci. Quoi des armées? Quand ça chauffe, vous connaissez Dieu. Mais quand vous provoquez là, vous ne voyez pas direction de Dieu actuellement là. Quand il y a l'injustice, des injustices dans le sens de la paix sociale, non? Qu'il y a des injustices en Côte d'Ivoire. Vrai? Beaucoup d'injustices. Parce que des braqueurs se promènent. Des pilleurs de banques, bien publics. Bien de l'Afrique de l'Ouest. Eux, ils ont pillé ça. Et puis, ils avaient des peines de 20 ans. Ils sont allés dilapider. Tout le monde a vu comment ils sont devenus riches. Parce que eux, ils vont pas dire, ils ont volé, puis personne n'a vu des traces. Tout le monde a confirmé que ceux-là, ils se promenaient avec des sacs d'argent. Nous tous, nous avons assisté à ces scènes. Mais ils se promènent. Ça, c'est pas de l'injustice. C'est de l'injustice au nom de la paix. Au nom de cette cohésion, au nom de la réconciliation, dans le sens d'avoir une Côte d'Ivoire apaisée, les esprits calmes, il y a de l'injustice. Quand on voit un Kone Katina, quand on voit un Stéphane Kipré, quand on voit un Damana Picas qui a déchiré les feuilles des élections à cause de ce geste-là, il y a eu des affrontements. Mais lui se promène. Aujourd'hui, tranquillement, tranquille, logé, blanchi, au nom de la paix, au nom de l'amour du pays pour le Prado. Que le pays, le Prado, l'amour qu'il porte à ce pays-là, au nom de ça, au nom de protéger la vie des Ivoiriens. Il a accepté des voyous comme ça qui viennent tranquillement rentrer vaquer à vos occupations,
venez, après la guerre, là, c'est pas, il dit, après la guerre, là, il y a la paix qui vient. C'est ce qu'il a voulu instaurer comme, comme on dit, exemple à toute la nation. Donc, au nom de la paix et de la réconciliation, là, Gbagbo a pillé. C'est sur son règne, hein. Alassane Ouattara pouvait pas sauter clôture et puis aller piller la banque de BCAO. Voilà. Donc, tout cela, aujourd'hui, ils ont gardé corps, ils ont villa. Aujourd'hui, là, ils prennent avion, ils ont l'argent de poche, tout leur compte est dégelé, là. Tout ça, au nom de la paix, mais pas de reconnaissance. Des ingrats comme ça qui se promènent, ils oublient même tout ce qu'ils ont signé pour pouvoir rentrer. C'est la terre de vos ancêtres. Nous tous, on va lutter ça. Et puis, personne ne sera mis à part. Voilà. Si au nom de cette paix-là, vous êtes rentrés, au nom de ces arrangements, vous êtes rentrés, il y a des enfants qui ont volé que stylo. Ils sont en train de piger leur peine en prison là-bas. Vous avez la mémoire très courte. Des nœuds patentés comme ça. Vous pensez que maintenant, l'Ivoirien nouveau, là, on dort. Vous pensez que nous allons laisser, vous allez venir nous piétiner. Et Abiba, là, elle est en train de vous jeter dans la gueule du loup. Oh non, elle est en train de vous jeter dans la gueule du loup. Kone Katina, ils sont en train de se foutre de votre devenir. Oh non, ils sont en train de se moquer de vos morts. Parce qu'ils savent très bien que vous êtes en train de porter votre cercueil sur votre tête. Vous allez venir déranger, perturber la tranquillité des Ivoiriens. Toi-même, tu vois Côte d'Ivoire briller là-haut. Pour une histoire d'élection, pour une histoire de bandits irradiés sur la liste électorale, faut pas on va se coucher, faut pas on va s'arrêter. Et puis, il y a des gens qui sont haut gamme jusqu'à, ils sont au-dessus de nos lois, ceux qui même qui ont inventé le droit. C'est Abiba, la créatrice des droits. Donc, c'est elle-là qui va venir imposer sa dicta aussi. Allez-y, dis à Abiba qu'elle n'est pas étrangère dans cette histoire de crise. On sait que c'est comme ça qu'elle gagne sa paye. On sait que c'est comme ça qu'elle est subventionnée. Mais nous, là, cette fois-ci-là, elle ne va pas s'échapper. Cette fois-ci-là, ces bandits-là, nul ne sortira de la Côte d'Ivoire. Famille ivoirienne, le peuple de la Côte d'Ivoire, ne donnez pas vos vies. Protégez vos vies. Si ces gens-là, ils essaient d'enflammer la Côte d'Ivoire, bloquer tous les aéroports et bloquer toutes les frontières. Et puis, ils vont venir dire pourquoi ils ont fait des arrangements pour rentrer au nom de la paix, au nom de l'apaisement des choses, des familles, leur cœur. Et eux, ce sont eux encore qui veulent recommencer la guerre en Côte d'Ivoire, la violence en Côte d'Ivoire, l'insurrection en Côte d'Ivoire, et puis le soulèvement en Côte d'Ivoire. Ces gens qui ont négocié leur entrée pour ne pas aller en prison, pour ne pas avoir l'amnistie, avoir les grâces. Pourquoi ce sont ces mêmes-là qui rentrent? Et puis, Alassane a été radié de la liste électorale. Là. Quel candidat du RHDP a pris ça pour faire état d'urgence? Gbagbo, il est qui? Il est votre Dieu, il n'est pas le Dieu de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, il est qui? Pepe Assey, vous êtes qui? Vous êtes au-dessus du monde ou bien vous êtes au-dessus de la Côte d'Ivoire? Vous êtes mieux que qui? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte ou bien preuve en Côte d'Ivoire? Quelque chose de bon. On rend à César ce qui est à César. Voici ce que les enfants sont en train de rendre aussi à Gbagbo. Ce qu'il a fait à Oufoué dans le temps. Oufoué volait. Donc aujourd'hui, là, lui-même, il est voleur, braqueur, prisonnier ambulant. Voilà. Si la mort l'échappe, la maca va pas l'échapper. Il va pas échapper à la maca. Donc, il n'a qu'à revenir en bonne santé. Passer 20 ans là, il fait pas attention. Il va aller, on va rajouter 20 ans encore dessus. Sa vieillesse là, il veut faire ça à la maca. Mais il y a une place pour lui. Parce que c'est déjà préparé. C'est quoi? À cause de lui là, la Côte d'Ivoire est toujours perturbée. La quiétude des Ivoiriens. Leur tranquillité. Hein? Élection veut dire tuer. On va aller fouiller qu'il y a des morts. Et puis, elle a bien dit qu'elle veut montrer l'image. Sur son plan, elle nous a pas montré. À Chifo, tout du pipeau, du blabla. Pas de preuves concrètes. Ils sont en train de donner des chiffres, on sait même pas où ils sont quittés avec. Les boulangers qui vous croient, c'est vos morts ambulants là qui vous croient.
les sacs, les futurs sacrifiés là, du PPACI là, qui vous croyez. Parce que prochaine fois là, c'est eux qui seront les sacrifiés. Il n'aura plus de cas en face à sacrifier. Parce qu'on a assez perdu. Nous avons assez perdu. Si nous avons dit au nom de la paix, Alakadi, Alakata, on a dit ça. Mais il n'aura plus de Alakadi, Alakata. On va prendre aussi dedans. Donc, sachez raison garder. Asseyez-vous et puis réfléchissez aux actes que vous voulez poser là. Il faut que ça soit de bons actes. Si c'est dans le sens contraire, c'est vous qui allez payer en premier. C'est quoi? Nous sommes fatigués tout le temps. On dirait des enfants de la maternelle. Il faut venir les mettre sur les rails. Non, on dit pas ça. Il faut dire comme ça. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Élection, vous allez aller manipuler les pauvres villageois qu'il y a des témoins, les seniors qui disent on met les étrangers, les non-nationaux dedans. Il y a des enfants de 3 ans. Est-ce que ça, là-haut, c'est un programme de vote, ça? C'est un projet pour la jeunesse? La jeunesse dit, ils ont faim. Ils sont fatigués de porter leur cercueil sur la tête. Maintenant, ils veulent mettre leur vie en valeur. Venez nous donner les solutions. Vous êtes toujours en train de fouiller là où on peut les tuer. Vous êtes en train de leur foutre là où on peut les assassiner. Vous pensez que les autres, ils vont rester croiser la main et puis vous allez venir les assassiner? N'importe quoi, parce que c'est là où vous voulez aller. Ce terrain que vous voulez glisser les gens pour aller là. Je pense que vous allez plus glisser même que les autres. On vous regarde. Quand on vous donne des conseils, vous pensez que c'est parce que Alassane Ouattara au pouvoir, c'est de l'idolâtrie, tout ça là. Non, non, non. Nous, c'est pour vous sauver. On vous sauve. Parce que le règlement de compte que vous cherchez là. On dirait que vous pensez que nous-mêmes, là, on a assis et puis on a oublié. On dit le chien qui aboie là, c'est pas lui, il a faim. Celui qui est calme, il a plus faim que vous. Vous êtes là, wow, 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 wow. Quand vous allez commencer là, vos mollets là, on va manger ça, crui, sans braiser. Les porcs au fou comme ça là, les idiots comme ça, ils n'ont rien, pas de programme. Moralité zéro. Hein? Moralité zéro. Ces gens là, pas de remords pour tous ceux qui n'ont pas pris de leçons, tiré de leçons de toutes ces crises. On dit, venez, il y a des réclamations à faire, allez-y, là, si il vous permet, dans 10 jours, depuis hier, c'est ouvert, allez-y, faites des réclamations. Si vous vous sentez patrie, toute cette histoire de CEI, là, ça fait d'argent, hein, parce qu'ils disent que, il y a vu dans des commentaires de certaines personnes sur les trucs de leur conférence de PPACI et FPI, là, PPACI est une chose, le parti de Gbagbo, de Bédié là-haut. PDCI, RDA de Gbagbo là. De Bédié. Le coalition de PPACI et PDCI de Gbagbo, de Bédié. Je vois les commentaires en bas. Oui, c'est une histoire d'argent. Comment on peut prendre, combien de milliards, on leur donne 12 milliards à 57 milliards pour révision de liste électorale et puis il y a des trucages comme ça. Il dit sur la loi politique là en Côte d'Ivoire là. Mon frère, c'est pas pour que toi tu réussisses hein. Sur la loi politique en Côte d'Ivoire là. Vous les voyez groupés sur tout là. C'est pas à faire de dire toi ta sécurité là c'est l'intérêt hein. C'est pas fait de dire que toi, ta santé, ça l'intéresse, hein, pour venir, toi, réaliser tes projets. Non, hein. Lui, il regarde partout où il y a l'argent. Quand il va venir là, c'est qu'il n'a pas pu voler avant, là. Il va doser. Quand il va finir de doser, là, et puis il va nous donner aux djihadistes. Des miliciens qui sont en train de recruter, escadrons de la mort qui sont en train de recruter. Ils pensent qu'ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Vous, dans votre temps, il y avait un nageur, puis vous voyez leur dos, vous les avez laissés faire ce qu'ils voulaient de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas commencé à plonger. Déjà, sous-marin vous regarde. Déjà, le sauveteur vous regarde. Donc, quand tu veux plonger, tu dis, tu sais pas nager, attention. C'est comme ça, il va vous stopper. À devoir vous dire, tu sais pas nager, pardon, stop. Au lieu de sauter dans l'eau, tu peux pas nager, je vais voir ton dos, je pourrais pas te sauver. Vous avez vu des nageurs, le dos nu, vous les avez pas noyés. C'est quoi? On a en Côte d'Ivoire.
Nous ne sommes pas au temps des refondateurs. Nous ne sommes pas au temps de l'ivoirité. À chacun son djoula, à chacun son boussmani. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Maintenant, on dit, mets dans la main, on va faire avancer la Côte d'Ivoire. Toi, tu as un peu, moi, j'ai un peu. Viens, on va mettre quelque chose au profit de la société et de la population. Ils ont faim. Ils n'arrivent pas à se soigner. Ils n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations. Toi, tu peux donner quoi de plus si tu deviens président? Je t'ai pas dit d'aller fouiller les listes. Je t'ai pas dit de venir t'arrêter pour dire l'autre n'est pas sur la liste. Si lui n'est pas sur la liste, que toi tu es sur la liste, pourquoi tu ne poses pas ta candidature? Tu deviens candidat? Vous n'êtes pas du même parti? D'après vous, il faut étouffer le vieux au pouvoir. On vous a dit c'est un royaume, c'est pas un royaume. Voilà, c'est pas un royaume. De la manière il est au pouvoir là, il est président là, il peut plus être, il n'est pas sur là, il n'est pas légitime ou quoi là, oui. Il est maintenant illégitime. Donc du coup, toi tu es légitime, tu peux aller mettre ta voix. Et puis on te vote. SPPA, c'est le candidat qui manque. C'est pas candidat qui manque. Si lui n'est pas sur la liste, la vie doit s'arrêter. Famille, on va se laisser là. PPACI de Daokoro. Oui, c'est PPACI de Daokoro. PPACI demande le report de la date des contentieux. Non, on va pas reporter. Ils vont venir avec leurs preuves là. Et puis, on va continuer. On leur a donné 10 jours. Ils vont venir. Comme eux, ils voient le faux partout. Parce que eux-mêmes, pendant leur règne là, tout était faux. Tout était triché, truqué, tout était boycotté. Même ils n'ont pas gagné, ils diront qu'ils ont gagné. Même ils sont avec quelqu'un pour aller, aux élections, arrivé un moment là, ils diront que ils vont faire amitié avec un opposant. À la dernière minute, ils vont te tuer. Que des boulangers, c'est ça on dit Gueye, père à son âme. Il a compris tellement vite le jeu, c'était déjà trop tard. Lui, il est cuit dans son film. Parce que il voyait que c'était lui-même qui était l'acteur principal. Or, il savait pas que lui, il était que simple figurant. Ils l'ont cuit dans son film. Le faire croire le rêve. Hey, tu vas devenir président, moi je serai comme ça. Après, tu me donnes les passements des jambes. Déjà, lui-même là, c'est lui qui allait rôti même dans le film. Vous pensez qu'avec nous là, ça marche? Nous, on a trop de l'avance sur vous. Adola, il a trop de l'avance sur vous. Là, vous voyez, là, lui, il a dépassé là-bas. Vous êtes couché, arrêté au troisième étage. C'est ce que vous voyez là. Ado, il est couché dans son lit et puis il a déjà tout analysé, il a tout supervisé. N'importe quoi. Vous pensez que c'est autant de qui? C'est autant du roi lion, le Gangaba, Alassane, le maître du dossier. Alassane Ouattara, son excellent docteur de Sucura. C'est le patron du terrain. Tu bouges, tu t'assois. Voilà. Et regardez derrière lui, c'est des fourmis maniants qui sont là. On vous dit ça tout le temps. On veut la paix. Au nom de la paix, on veut la paix. Au nom de la tranquillité. Au nom de la cohésion, de la fraternité. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Pour que notre patrie soit encore meilleure que ça. Voilà. Notre nation soit plus meilleure que ça. Mais si vous ne voulez pas, on va s'accompagner sur un autre terrain, puis on va mesurer nos forces. Et puis on verra qui a la force que l'autre. Vous laissez vos miliciens là. On fait, comme on dit, militant à militant. Puis on va voir. Parti divisé en 10 là. Vous allez venir comparer vos muscles aux muscles des autres. On va aller aux élections sans votre candidat. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. On va aller aux élections sans votre candidat. Et puis, ça ne chauffe pas. Un braqueur de banque ne peut pas poser candidature en Côte d'Ivoire. C'est contre notre loi et contre nos institutions. Oui, vous n'allez pas embêter. Et puis, on ne voit même pas qui va venir dire le contraire. N'importe quoi. Pour vous croyez dessus de tout. Merci la famille. Je vous aime bien. On va se laisser. On se donne un autre rendez-vous. Donc, on dit merci aussi à notre Doumia Major qui nous a bien éclairci tout. Il a bien détaillé
Chacun va sur sa vidéo et vous aurez vos comptes. N'écoutez pas ces gens-là. Ils veulent juste vous voir mort et puis profiter. Ils ne veulent pas que vous soyez libre dans votre tête. Ils ne veulent pas que vous soyez libre dans votre pays. Ils veulent que vous courez sous les balles. Ils veulent que vous soyez des esclaves encore dans votre esprit. Vous soyez des esclaves dans votre âme. Parce que si vous êtes libre, vous n'allez pas les suivre comme des moutons. Donc, toujours, ils vous induisent à l'erreur. Ils vous vendent le rêve. Et puis, ils vous induisent toujours dans les bêtises. Merci à tout le monde. Salimata, Samassi, bonsoir. Merci. Koulibaly, Adama, merci pour votre présence. Merci à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Et puis, Drissa, Aïdara, merci. En tout cas, si la CEI voulait tricher, ils n'allaient pas faire une liste définitive sans passer au contentieux. Vous avez raison, mille raisons. Merci, ma sœur. C'est Drissa, merci, mon frère. C'est gentil. Ils n'ont rien dit. Non, ils vont rien dire. J'ai dit, ceux-là, ils n'ont rien à nous dire. Donc, si on veut les suivre là tout le temps, là, le développement, là, on va arrêter pour perdre le temps encore. Donc, du coup, faut les écouter. Et puis, laissez-nous les répondre. Vous écoutez-les, parce que si tu ne vas pas écouter ce que l'opposition dit, tu ne sauras pas dans quelle pratique ils sont inscrits. Ils sont inscrits, leur méthode de déstabiliser là. Si tu ne vas pas écouter les directs, si tu ne vas pas les écouter, tu ne vas pas connaître leur fond. Parce que c'est dans la manipulation, dans la manigance, dans tout ce qui est faux, ils sont dedans. Et il y a des gens qui ont prêté leur âme à ces gens-là. Donc moi, je dis pitié, on va prier pour eux, pour les délivrer. Mais ça ne sera pas facile parce que vraiment, quelqu'un qui a son âme plantée au Bénin, qui vit en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a ses cheveux enterrés au Bénin et qui vit en Côte d'Ivoire, comment on peut te désenvoûter? Ça va être compliqué. En tout cas, on va demander aux imams et aux pasteurs de se mettre ensemble pour vraiment libérer ces gens-là. Sinon, moi, je vois qu'ils ont leur cercueil encore sur leur tête et ça sera dommage. Mets un enfant 9 mois au monde et puis le voir aller en verdi populaire comme ça, là, c'est les perturbateurs de la République, là. Perturbeurs comme ça, là. Franchement. Perturbeurs. Donc, l'État a voulu rendre compte hein, de toutes ces manigances pour ne pas être complice de cette marmaille, les braqueurs de banque. Ils ne sont pas complices. Donc, raison pour laquelle ils ont tout fait pour chercher les traces et ils ont trouvé les voleurs. Les voleurs ne veulent pas aller devant la justice. Et puis, ils veulent venir être président en Côte d'Ivoire. Ah, Amman Rodet. Merci à tout le monde et vous passez un bon week-end. Si on se voit, Dieu merci. On dira merci à bon Dieu, au bon Dieu. Et excellent week-end à tout le monde. Et que Dieu pèse notre vie. Et puis que Dieu nous bénisse énormément, abondamment. D'accord? Et on dira merci encore à Alassane Ouattara, son excellent notre bois. Quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser ni te détruire. Donc, disons merci au bon Dieu de nous avoir permis de rester tout ce temps, y compris encore de rester tout ce temps jusqu'à ce qu'on voie encore que la Côte d'Ivoire devienne comme États-Unis, plus même que les États-Unis, plus même que Dubaï. C'est pas ça on veut. Plus même que tous ces pays qui ont pris leur envol avant nous. 10 ans, on n'a rien foutu. En moins de combien de temps? Regardez la Côte d'Ivoire. Émergence 2020, on est en train de partir. Combien? Ça, c'est qui? Qui fait le son? Dites-moi. C'est Bois le Nankama. Et ça ne chauffe pas. Big up à tout le monde. Allons-y vers la paix. Allons-y vers l'amour entre nous. Fraternité, solidarité, rassemblement. L'union fait la force. Oufoué Boigny a dit. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Qui prépare qui aime la guerre et paix, prépare la guerre. Mais il n'y a pas de guerre entre nous. On se connaît dans ce pays-là. Quand ça commence, ceux qui sont premiers à fuir. Sinon, on connaît.
le terrain là qui gère mieux que la terre de mes ancêtres, mon œil. Ouais. Merci à tout le monde. Bonne soirée.